Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après plus de 4 jours sans aucun glucide en diète cétogène. Et j'avoue, c'était un petit peu dur quand même au début. J'ai eu quelques moments où j'avais la tête qui tournait un petit peu. Mais ça va, c'était quand même assez tenable. C'est rien comparé à tout ce que j'ai fait par le passé pour mes compétitions. Mais du coup, ça m'a permis malgré tout de perdre 3 kilos donc en l'espace de 4-5 jours. Évidemment, c'est pas 3 kilos de gras, hein, vous vous en doutez, parce que c'est pas forcément possible de perdre 3 kilos de gras en si peu de temps. Donc évidemment, c'est beaucoup d'eau et de glycogène aussi musculaire, parce que quand on mange sans glucides, on perd énormément rapidement de l'eau et c'est un régime qui est assez diurétique, comme on dit. Ça m'a permis quand même de m'aplatir complètement, donc c'était le but. Et là maintenant, aujourd'hui va commencer la recharge. Donc je fais uniquement 2 jours de recharge là, parce que j'ai pas fait de diète extrême de compétition comme je faisais à l'époque avant. Donc 4 jours, c'est vrai que c'est pas grand chose, mais il faut quand même les tenir, hein, malgré tout. Surtout que j'étais aux alentours de 1800 calories, donc c'est pas beaucoup du tout par rapport à mon gabarit, mais ça va, ça s'est bien passé et franchement je suis content parce que ça fait vraiment quand même une différence, vous allez voir ça. Donc pour moi, je pense qu'un jour et demi ça suffira largement. Donc aujourd'hui ça va commencer la recharge glucidique, donc c'est-à-dire de manger beaucoup plus de glucides, donc toutes les 2-3 heures, pas se gaver non plus parce que je veux pas non plus me paraître tout flotteux et tout ça le jour de mon posing du coup demain soir. Mais ça veut dire qu'il va falloir que j'augmente évidemment ma ration de glucides, et là je vais diminuer les lipides, pas interférer justement avec ça, et diminuer aussi également les protéines, parce que j'en aurais pas besoin aujourd'hui ni demain, du moins en quantité classique, j'en aurais pas énormément besoin. Donc je vais diminuer tout ça au profit des glucides. Donc je vous montrerai tout ça aujourd'hui, et là on va faire un petit check du coup du physique. Vous allez voir, il y a quand même une différence par rapport à il y a 4-5 jours. Donc content quand même du résultat là en l'espace de si peu de temps. On voit vraiment la différence ici où c'est vraiment creusé. Donc on voit quand même que j'ai encore un peu de gras, mais franchement on voit vraiment vraiment la différence en l'espace de peu de temps. Donc assez content. Là sur les cuisses on voit un petit peu aussi quand même que ça a découpé. Hop. Donc ouais, je suis vraiment content et je me dis, j'aurais su ça juste un peu plus tôt, quelques semaines plus tôt, allez, disons un mois à l'avance, j'aurais pu vraiment être prêt, pas comme une compète, mais vraiment m'en rapprocher. Là, le but maintenant, ça va être de se recharger, donc comme je vous l'ai dit, en glucides, de recharger les muscles. Je devrais avoir un aspect plus volumineux demain soir, avec la peau un petit peu plus collée sur les muscles. Alors évidemment, j'ai pas fait de balance sodium-potassium, ça je vous l'avais expliqué dans des vidéos il y a longtemps, pour faire un vrai rebond glucidique et tout ça. Donc ça, je le fais pas, ni je joue pas avec l'eau, ni le sel, ni tout ça, parce que ça c'est vraiment juste pour un guest posing, je le ferai pas. Pour une compète oui, mais pas pour ça. Mais quand même, malgré tout, je pense que demain soir on va voir une différence. Donc là c'est parti, je vais faire mon premier repas de recharge, donc sur le petit déj. Donc je vous montre tout ça les amis. Allez, là aujourd'hui il pleut, il fait pas super beau. Alors on va faire très simple ce matin. Je vais faire juste donc 2 tartines ici, Ezekiel. Dessus je mettrai un petit peu de miel, hop, pour le sucre rapide, parce qu'on en a toujours besoin quand du coup on fait une recharge glucidique. Et puis là je vais compléter avec un petit peu aussi de flocons d'avoine. Tac. Donc très léger. Donc ça fait à peu près 40 grammes. Je sais, normalement je devrais peser, mais maintenant j'ai quand même l'œil, donc ça devrait le faire. Je vais juste mettre un petit peu d'eau ici, tac, et les faire chauffer au micro-ondes pendant 2 minutes. Voilà, comme ça, ça complétera. Et dedans, je mélangerai ma whey. Tac. Voilà. Hop. Alors, pour l'instant, on fait chauffer ici le pain d'Arnold. Alors, dites-moi d'ailleurs si celui-là, on le trouve en France, je ne sais plus. Il me semble qu'on le trouve. Ouais. Alors, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous le trouvez en France, dans quel supermarché ou magasin, parce que c'est vrai que c'est vraiment top cela en termes de macro, c'est vraiment idéal. Il me semble que c'est bon, ça fait une petite bouillie ici, et dedans je vais découper ma banane. Alors je prends qu'une demi banane parce que dans 2 heures je reprendrai encore une demi. Alors généralement je mélange la whey dedans. Là je sais pas si j'avais mis assez d'eau, on va voir. Sinon ça risque de faire un gros pâté, donc on va y aller mollo, et une cuillère d'abord, et après je rajouterai peut-être une deuxième. Et comme je vous l'avais dit, il n'y a pas besoin de beaucoup de protéines quand on fait une recharge glucidique, donc je pense que là ça suffit avec une seule scoop
Voilà, c'est parfait. Voilà, ça me fait ma petite mixture ici, banane, flocon d'avoine, avec juste une dose de whey, la pure native. Hop, donc c'est nickel. Et là, j'ai mes deux petites tartines. Hop. Tac. Donc là, c'est prêt. On va rajouter un petit peu de miel ici. Hop là. Mon premier repas de recharge. Ça rappelle les compètes, petit sandwich au miel. Alors oui, je ne mets pas de choco-butter là-dedans, parce que dans le choco-butter, il y a des lipides. Et du coup, le but de la recharge glucidique, c'est justement d'avoir le moins de lipides possible pour ne pas ralentir cet effet de recharge de glycogène dans les muscles. C'est pour ça qu'on diminue aussi les protéines, les lipides au maximum, et on augmente du coup les glucides. Donc c'est un petit peu sec, mais bon, dans le café, ça passe. Et avec ça, je vais prendre ma vitamine C ici. Glucosamine et chondroïtine, ça c'est pour les articulations, les tendons et tout ça. Surtout en plus quand on est en déficit calorique ou quoi, ben c'est vrai qu'on a la tendance d'avoir encore plus besoin parce qu'on ne donne pas suffisamment de calories à notre corps pour mieux récupérer et se réparer au niveau des tendons, des articulations et tout ça. Oméga 3, vous connaissez. Magnésium, biglycinate, c'est la meilleure forme de magnésium assimilable. Donc je vous conseille celle-ci, multi-PRZ. Comme ça, on est au top. Allez, on va finir tout ça. Et puis d'ici 2 heures, je vais remanger encore des glucides. Et pendant ce temps, je vais quand même travailler mon posing. Hein, parce que ça fait quand même très longtemps que je ne l'ai pas travaillé. Et bon, là, ça revient un petit peu. Franchement, c'est quand même top. Hein. Je me dis, c'est vachement mieux classique physique rien que pour ça par rapport au men's physique. Mais bon, après, c'est comme ça. Et d'ailleurs, la catégorie men's physique, je vous rappelle que maintenant, c'est un rapport taille-poids à partir de cette année, donc même chez les pros, pour éviter justement que les men's physiques deviennent énormes et atteignent en fait le haut des classiques physiques. Donc je trouve que c'est quand même une bonne chose. Et du coup, dans cette compète, bah, justement, même si c'est amateur, on va voir si on voit vraiment la différence entre les men's physiques et les classiques physiques. Donc ça va être intéressant justement de voir ça en amateur et ensuite de voir ça à l'Olympia, parce que je vous retrouverai là-bas, les amis. Je vais au Mister Olympia pour aller vous filmer tout ça. Et à Las Vegas, rappelez-vous, j'ai commencé ma chaîne comme ça il y a quasiment 10 ans, il y a 9 ans. Et là, c'est les 60 ans du Mister Olympia. Je devais absolument y aller. Je pense que ça va me remotiver, moi et vous aussi. Donc là, on va vraiment voir pour le coup s'il y a une différence entre les men's physiques et les classiques. Et ça, j'espère vraiment le voir parce que voilà, c'était devenu un petit peu n'importe quoi ces dernières années. Donc c'est cool qu'ils aient fait ça, qu'ils aient mis ça en place comme nouvelle règle de rapport taille-poids qui est en dessous du coup des classiques physiques. Donc intéressant. En tout cas, j'espère que Ryan Terry va à nouveau gagner. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est pas le sujet du jour. Donc là, on va continuer et je vous retrouve très vite. Allez, à toutes. Et voilà, donc le Mister Olympia, c'est bientôt, donc j'ai hâte d'y être. Et là, je suis en train de booker un petit peu tout ça. Donc évidemment, les finales, malheureusement, c'est déjà sold out depuis très longtemps. Mais on va faire ce qu'il faut pour vous filmer le maximum et aller au moins filmer les classiques physiques au prejudging et puis les men's physiques aussi, vous partager un maximum de choses. Bref, j'ai hâte. Là, on garde ici toujours l'objectif en vue. Donc la vision, c'est très important. Donc ça, c'est pour demain, du coup, compétition de demain où je vais faire un guest posing. Allez, on va bosser sur les programmes de mes élèves et on se retrouve plus tard. Et on arrive au prochain repas, les amis, qui est mon repas de midi en quelque sorte. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Bah forcément, j'ai que des glucides quasiment et un tout petit peu de viande ici, légèrement pour les protéines. Il en faut un tout petit peu et j'ai mis un tout petit peu aussi de sauce barbecue zéro, donc 100 calories. Donc là, j'ai un petit mélange juste de pommes de terre et patates douces, donc c'est l'idéal, et j'alternerai aussi avec d'autres sources de glucides comme le riz. Là, on peut pas se tromper, hein, c'est parfait. Pas de lipides, comme vous voyez, pour pas ralentir l'absorption des glucides, du coup, qui sont très importants pour cette période, justement, de recharge glucidique. Et pas beaucoup de protéines non plus, un tout petit peu, donc beaucoup moins que d'habitude. 4 ou 5 petits bouts ici, mais ça suffit largement. De toute façon, on va pas perdre du muscle pendant une recharge glucidique, donc ça suffit, on va manger tout ça. Et puis d'ici 2-3 heures, je vais avoir à nouveau un repas riche en glucides. Et on va continuer comme ça jusqu'à la compétition, jusqu'à mon guest posing. J'ai pas salé du tout, hein, évidemment, mes aliments. Alors je l'ai pas fait sérieusement comme pour une compétition, mais normalement, dans l'esprit, si je voulais vraiment faire un vrai rebond glucidique de compétition, il aurait fallu que je sale mes aliments une dizaine de jours, du coup, avant la recharge glucidique. Donc bien sûr, tout ça, ça se calcule et tout ça. Et dans le même temps, ensuite, complètement couper le sel 2-3 jours généralement avant l'événement, avant la compétition, et là compenser avec du potassium justement pour faire cette fameuse balance sodium-potassium
Mais ça, c'est assez compliqué à gérer, donc c'est surtout pas à faire pour les débutants. C'est vraiment une technique qui est réservée vraiment pour ceux qui font de la compétition à haut niveau. Et ça, ça peut effectivement, ça joue sur en fait l'équilibre des fluides. Et du coup, ça fait que votre peau, elle se colle ensuite du coup à vos muscles au lieu que cette eau soit... En fait, il faut boire en même temps que vous salez, donc les 10 jours précédents, il faut boire beaucoup. Et ensuite, donc comme je vous expliquais, quand on coupe le sel 2-3 jours avant la compétition, dans ces cas-là, on réduit aussi notre consommation d'eau. Et l'eau qui se trouve en quantité qu'on a beaucoup absorbée, eh bien, elle va rentrer dans les cellules musculaires, justement, ce qui va faire une impression de volume de votre muscle qui va aussi être collé à la peau. Donc c'est tout un ensemble de choses, le fait de manger plus de glucides, de ne plus manger de sel ensuite, etc. Bah, ça fait en sorte que vos muscles sur scène paraissent beaucoup plus durs et plus volumineux aussi. Là, j'ai vulgarisé le truc du rebond glucidique, évidemment. C'est pour comprendre rapidement les bases et les principes, quoi. Donc si jamais je devais faire une compétition plus sérieusement, évidemment que je l'aurais fait de façon vraiment beaucoup plus précise. Tu veux un bout de pomme de terre, toi? Tout petit bout, hein. Toi, t'as pas trop droit aux glucides, sinon tu vas prendre du poids. Bon, allez, il est temps de réviser un peu ce posing, là. Du coup, on va voir ce que ça donne avec le physique qui commence à bouger un petit peu aussi, avec ce début de recharge. Entre temps, j'ai reçu deux colis Prozis, les amis, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dedans. Je vais sortir tout ça, du riz brun soufflé, donc sous forme de céréales un petit peu. Et là aussi, j'ai des graines de sarrasin soufflées avec une pointe de miel. Donc ça, je vais prendre ça justement pour mon encas là maintenant. D'habitude, quand je faisais mes compétitions, je prenais un bol de riz du coup dans l'après-midi avec une banane généralement coupée dedans. Mais c'est vrai que là, j'ai pas forcément envie de prendre du riz maintenant. En temps normal, c'est vrai que j'adore prendre ça le matin ou en encas parce qu'il n'y a pas beaucoup de calories, ça remplit quand même assez bien. Et puis finalement, c'est des glucides à index glycémique quand même relativement bas, donc c'est intéressant. Là, généralement, les premiers jours de recharge, c'est intéressant de mixer un petit peu, donc index glycémique bas et haut. Donc je pense que là, avec les pointes de miel, ce sera parfait. Fameuse barre Billion, bon, ça sera pour tout de suite, mais pour la semaine prochaine, hop, ça c'est top. D'autres barres ici, protéines barres là. D'autres protéines barres. Ah oui, la créatine micron pure, créatine monohydrate ici. Donc ça, c'est une nouvelle forme aussi que Prozis vient de sortir. Ah, les protéines double creamy, ça, c'est mes cookies préférés aussi. Bar zéro break. Des EAA ici. Donc goût tropical cette fois-ci, parce que j'ai l'habitude de prendre toujours mangue pêche. Donc j'ai dit, allez, on va changer un peu. Whey hydroisolate zéro. Donc ça c'est top, bah, je vais peut-être prendre ça aussi du coup. Ensuite j'ai du collagène marin ici, des zéro wafers, c'est des petites gaufrettes protéinées, du choco butter plus whey, et puis j'ai une carb blocker, donc pour limiter l'absorption des glucides. Là aujourd'hui il m'en faut surtout pas, c'est même plutôt l'inverse. Ah oui, celui-là c'est le shaker spécial qui supporte une barre de 200 kg. Donc en gros on peut poser la barre ici, notre barre de muscu, et on s'en sert de shaker en même temps. Donc bon, j'avais vu ça chez Prozis, je me suis dit pourquoi pas, je vais tester, ça permet de charger, décharger les barres. Protéines Puffies ici, ce que je mets généralement dans mon skier le soir. J'ai des protéines granola, glucosamine chondroïtine, coenzyme Q10, le magnésium, ici chitosane vitamine C, mon Big Shot ici. Et là j'ai des habits, on montrera ça aussi. Et encore protéines Puffies. Hop là, allez. Bon bah du coup je vais en profiter pour faire mon petit goûter. Hop, de l'après-midi, on continue la recharge. Pas trop d'eau non plus. On va ouvrir cette Whey Hydroisolate Zero. C'est goût cappuccino cela. Ça fait longtemps que j'ai pas goûté cappuccino. Moi, je vais prendre 2 scoops. Et dedans, je vais ajouter mon sarrasin soufflé. Ça fait comme des smacks. Et là, une demi-banane coupée dedans.
fait ça. On voit quand même les veines qui commencent à sortir un petit peu, qui refont un peu leur apparition. Parce que quand on fait une décharge, on voit plus ses veines. C'est fini, on est à plat comme on dit. Je commence à sentir l'énergie qui revient aussi. Sauf qu'au début d'une recharge, les premiers repas, on a un petit peu la tête qui tourne, ça fait comme une espèce d'hypoglycémie réactive en fait. C'est un peu space comme sensation. Les amis, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ma tradition, c'était de manger ma pizza la veille au soir en guise de dernier repas de recharge parce que je m'étais rendu compte au fil des années de compétition que c'était en mangeant en fait la pizza le lendemain de la compétition, de recommencer à manger un petit peu les trucs que j'avais envie, un peu plus sucré, un petit peu plus gras aussi et plus salé. J'étais généralement beaucoup mieux le lendemain de la compétition, beaucoup plus dur, beaucoup plus congestionné, avec les veines beaucoup plus apparentes et tout ça. Et du coup, j'avais décidé de faire l'inverse, donc de manger ma fameuse pizza la veille au soir. Du coup, avant ma compétition, et j'ai toujours été beaucoup mieux finalement le jour même de la compète. Donc on va faire cette fameuse tradition. Donc là, je vais aller chercher la pizza en vélo parce qu'en fait on a le camion pizza qui vient dans la communauté tous les vendredis il me semble. Donc du coup, bah, c'est juste à côté, donc je vais en vélo, comme ça me fait un petit peu un tout petit peu de cardio on va dire. Mais en tout cas c'est vraiment cool, les pizzas d'ici, du camion de la communauté, c'est un truc de dingue. Ah, franchement, elles sont très 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 bonnes. Donc évidemment, on peut pas faire ça n'importe comment, n'importe quand. Ça marche que si on a été en décharge glucidique pendant longtemps. Donc peut-être que là, j'ai pas été assez longtemps, mais on verra ce que ça donne. De toute façon, c'est quand même juste un guest posing, c'est pas une compétition non plus. Mais justement, je suis curieux de voir si ça a marché, si j'ai suffisamment été du coup en décharge pendant ces 4 jours pour que ça puisse marcher. Donc on va voir ça. Verdict demain soir. Le camion est là, donc il y a un camion, un food truck différent chaque soir généralement, donc faut pas être trop tenté hein, ici. Et voilà, les pizzas sont commandées, donc là il y en a pour 40 minutes à peu près, parce que ici ils font vraiment fureur dans la communauté, il doit y avoir à peu près 200 maisons, 300 maisons, je sais plus exactement. À chaque fois qu'ils sont là, ils sont complets tout le temps. Donc ouais, franchement, la dernière fois, ils avaient même plus de pâtes du tout, tellement ils ont eu de commandes. C'est un truc de dingue, mais elles sont vraiment très 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 bonnes. Donc je reviendrai en voiture à les chercher, parce qu'en vélo, c'est un peu compliqué quand même. Et voilà, on a récupéré les pizzas, on va se régaler. Ça fait longtemps. Alors à quoi elle ressemble. Je vais pas manger les deux évidemment hein. C'est pour tout le monde. Hop, donc il y en a une au pepperoni ici et une au 4 fromages. Il y en a un qui a faim. Il y en a un qui a faim. Un souvenir du bon vieux temps, le temps des compètes. Tu te rappelles quand même? Ouais, quand on était cool. À l'hôtel là, que ouais. Du coup on se mangeait la pizza, c'était la récompense au bout de plusieurs mois de prépa hyper sérieux. Le nombre de compètes qu'on a fait le plus souvent, c'était dans cette région là. Ouais, c'est vrai, il y avait le plus de compètes, c'était en Floride, hein. Il y en a beaucoup en fait. Oui, mais à tu côté vois, de. Tu vois, on a oh là là. Lui, ça, il est à fond. Non, mais je parlais d'à côté d'ici, la maison ouais, là. Ouais, c'est clair. C'est en fait là où on est aujourd'hui, à 3/4 d'heure, 1 heure de Miami. C'est là finalement où on venait quasiment tous les week-ends. Je dirais pas tous les week-ends, mais presque, presque. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est fou quoi. C'est, on, si, parce qu'il y a eu des fois où tu concourais pas et on allait et aider. On allait aider quand même. Dans les compètes. Ouais, c'est ça. Et du coup, on allait aider justement celui qui organise la compétition de ouais, demain. On était tout le temps invités. Et, voilà, etc. On était tout le temps là. Je remettais aussi les coupes, les trophées, tout ça aussi. Oula, parfois. Je crois qu'il y en a un qui regarde le. Il y en a un regarde. Qui tient plus. Attends, je te sers, mais c'est chaud. On va faire attention. Regarde, je mets la assiette à papa et hop, je coupe un petit bout. Mais on va y aller doucement, mais il faut souffler, d'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? On souffle. Ça n'a pas l'air si chaud que ça. Est-ce que c'est bon? ouais, c'est bon, hein. Miam. Oh, et puis lui non plus, il a jamais droit à la pizza, alors bon. Non. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel.
Je te signale que si je fais ça demain, c'est pour que tu me vois sur scène. Pour la première fois. Bon, après cette bonne pizza, les amis, on va aller se coucher pour être en forme demain. Donc, on se retrouve là-bas, hop, à la compétition. Et puis, je vous montrerai aussi, du coup, les coulisses. J'essaierai de vous faire voilà, un petit vlog pour vous partager le maximum. Je vous dis à demain. Allez, ce matin, on prépare le petit déj de Nolan d'abord. C'est pas pour moi, mais c'est pareil, c'est des protéines quand même. Et lui, il a un peu de banane et puis un petit peu de flocons d'avoine ici roulés avec de l'abricot sec notamment et puis des petites graines. Et moi, je mangerai après la balade, Angie. J'arrive. C'est déjà presque Halloween, les gens ici ont commencé à décorer. Allez, c'est parti pour la balade du matin avec Angie. Du coup, bah, ça me fait mon cardio en fait, tous les matins, entre 30 et 45 minutes, vous savez. Puis l'après-midi, généralement pareil. Je suis pas ultra fan du cardio modéré, long, en salle et tout ça. Ça me fait vite suer. Donc, je préfère largement le cardio HIIT. Hein. Ça, je le faisais beaucoup en préparation de compétition. Mais là, voilà, c'est super quand même agréable. Il commence à faire un petit peu moins chaud parce que je vous avoue qu'ici, en Floride, même le matin à 7h ou même à 6h, il fait déjà super chaud, super lourd et humide. La nuit, les températures ne descendent quasiment pas par rapport à la journée. Donc c'est vrai que c'est un peu assez lourd quoi. Donc c'est vachement plus agréable, disons. Et donc je disais que pour mes compétitions à l'époque, il faut savoir qu'il y a le pré-judging généralement le matin et les finales le soir. Et donc c'est vrai qu'il faut tenir quand même la journée complète. Généralement, je mangeais un bon repas riche en glucides et puis modéré en protéines et avec peu de lipides le matin. Et le reste de la journée, pas grand chose, des petites galettes de riz de temps en temps, barres protéinées, une demi-banane, mais pas plus que ça après parce que je voulais pas être lourd sur scène et pouvoir bien sûr faire le vacuum. Donc c'est quand on rentre le ventre au maximum, ça si on a le ventre plein c'est impossible à faire. Donc voilà, pour pas être lourd ni ballonné sur scène, c'est vrai qu'après le reste de la journée je mangeais pas beaucoup, d'autant que j'avais ma pizza la veille, donc il fallait que bien que je la digère aussi. C'est ce soir mon guest posing, donc je pense que je vais juste me faire un bon petit déjeuner mais pas trop lourd non plus, et puis le reste de la journée manger de façon aussi modérée, juste voilà pour maintenir un petit peu ma recharge glucidique. J'en ai eu suffisamment de toute façon avec la pizza, donc j'ai pas besoin de beaucoup plus là maintenant. Donc voilà, on va continuer la petite balade et puis on va rentrer pour le petit déj. Et puis je vais répéter quand même le posing une dernière fois avant ce soir. Et voilà les amis, allez, hop, je vous laisse sur ce paysage ici de Floride. Un peu couvert, mais ça fait du bien. Ce matin, ça sera simplement cette espèce de petit smoothie. Comme ça, au moins, c'est digéré très rapidement aussi. Ça sera pas trop lourd. Donc, dedans, j'ai mis tout simplement de l'eau avec ici de la poudre d'avoine. Donc, Instant Oats ici, goût chocolat praliné. Et puis, dedans, j'ai rajouté 2 scoops de whey hydroisolate zéro. Comme ça, au moins, j'aurai pas de problème d'estomac pour pouvoir faire le vacuum le mieux possible. Donc c'est vrai qu'après, ceux qui font vraiment la balance sodium-potassium et qui réduisent l'eau au maximum, évidemment, je ne le conseille pas non plus de le faire fréquemment. J'ai jamais complètement coupé l'eau pour une compétition, souvent diminué légèrement les 2 jours d'avant et le jour de la compétition. Généralement, je bois uniquement quelques gorgées. Pour ça, évidemment, il faut faire du coup la balance sodium-potassium que je vous ai expliqué, mais c'est vraiment quelque chose de très très précis à faire. On peut pas le faire n'importe comment. C'est vrai qu'il y en a qui arrêtent de boire pendant plusieurs jours avant. Ça, c'est complètement stupide aussi. Donc, il faut trouver vraiment le bon équilibre. Généralement, juste réduire de moitié, allez, 2 jours avant la compétition, voire 3 jours. Puis la veille de la compétition, réduire à 1,5 litre, généralement c'est ce que je faisais. Et le jour de la compétition, juste quelques gorgées en fait. Donc c'est vrai que ça ferait un petit peu trop pour un compétiteur pour juste le matin. Mais là franchement, je vais pas faire ça du tout pour un guest posing. Et d'ailleurs, je le conseille pas du tout non plus de toute façon de le faire
pour un événement comme ça, quoi. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de très particulier pour une compétition importante. Et puis, il ne faut pas que ce soit régulier non plus, évidemment, sinon c'est pas très bon non plus pour l'organisme. Mes compléments habituels que j'ai mis dans la petite boîte ici, comme ça c'est plus pratique que d'ouvrir à chaque fois. Hop là, ça je vous ai déjà montré. Bon, finalement je suis quand même allé à la salle ce matin, même si normalement on ne doit pas aller à la salle le matin d'une compétition. Mais là, bon, encore une fois, c'est un guest posing et j'avais envie et besoin de toute façon d'aller à la salle pour me dépenser, me défouler. Donc j'ai fait une petite séance, non, une séance normale de dos et biceps. Je vous ai pas filmé tout ça parce que franchement ça ferait trop long, mais j'ai partagé ça en story Insta un petit peu. Donc là pour ce midi, du coup je me fais chauffer ici des jeunes pousses d'épinards, et puis là dans le air fryer ici, hop, je suis en train de me faire chauffer du coup quelques petits morceaux de poulet, donc un petit peu, et puis de la courge butternut. On dit donc voilà, assez light. Bon ben repas léger pour le coup, avec un tout petit peu de protéines ici, un petit peu de poulet là, un petit peu d'épinards, et puis là de la butternut squash, donc courge, c'est un petit peu comme la patate douce finalement, c'est voilà, c'est facilement digérable on va dire, et c'est pas trop lourd. Donc voilà, avec ce repas au moins j'aurai le ventre plat et la possibilité de faire le vacuum correctement, comme ça je ne me surcharge pas trop l'estomac, donc c'est parfait. Et puis je reprendrai une toute petite encas dans l'après-midi, peut-être juste soit une barre de prot ou une whey tout simplement avec une banane ou une banane, mais voilà, pas plus que ça quoi. Puis avec la pizza que j'ai mangée hier soir, ça suffit largement. Bon, le grand moment est arrivé. Hi, how are you? Good. I'm doing the. How are you? Good to see you. Nice to see you too. Bon, on a récupéré nos petits badges VIP et on va voir ce qui se passe. Wow! C'est une belle scène quand même. A long time. It's good to see you. So what are you doing here? I'm doing the guest posing, yeah. Bon bah du coup, comme au bon vieux temps, on va essayer de s'échauffer aux élastiques ici. Apparemment je passe dans une vingtaine de minutes, donc c'est parfait. Juste le temps de chauffer un peu la machine. J'espère que je ne vais pas être trop ridicule, parce que j'avoue, de ne pas être préparé comme tous les autres, ça fait un peu flipper. Je pensais que c'était une toute petite compète, mais en fait non quand même. Donc bah, c'est vraiment cool. Je revois les gens d'il y a plus de 5-6 ans, donc c'est top. Bon allez, trêve de blabla, on va s'échauffer. Just 7 days ago. So please welcome Julianne Guagliarini. Woo!
Come over here, Julian. We're going to want you to say a few words. All I have to say is you've been retired for 5 years and you walk around looking like this? Wow, that's impressive. Yeah. Hello, everybody. I came in the U.S. 12 years ago to realize my dream and to become an NBA pro. And I worked so hard, like, with the rich and with you. And so I know everybody here for the last 10 years. So I worked very, very hard to get my pro card. And it happens when you stay consistent. And I also get my green card and then my citizenship. And I worked so hard to get everything done. And 10 days ago, Rich told me, why don't you just guest host my show? And I say, what? In the, just 1 week to get ready. And I did it for my son. He's almost 2 years old, and I wanted him to see me one time on stage. So it's fine. Thank you, Julian. That's awesome. Bon bah les amis, franchement ça fait un bien fou de revenir sur scène et c'est là que je me rappelle pourquoi j'ai fait tout ça, parce que là rien que le fait de revenir ici, bah franchement c'était un truc de fou, l'ambiance, tout, enfin c'est exceptionnel, donc vraiment je suis très content et très content finalement, même pas que du physique parce que c'est pas qu'une question de physique, mais c'est que voilà c'est tout, le fait de revenir, le posing, l'ambiance qu'il y avait ici, c'était vraiment génial. L'accueil, j'ai revu les mêmes personnes que je connaissais d'il y a 10 ans quand j'ai commencé les compètes ici aux États-Unis. Ce sont les mêmes juges aussi, les mêmes organisateurs et tout ça, donc ça fait vraiment voilà, quelque chose quoi. Donc voilà, en tout cas je voulais vraiment que mon petit aussi me voit sur scène. Donc je sais que c'est long pour lui et tout ça, mais c'était cool en tout cas de faire ça. Et puis même la réaction du public aussi. Ouais, tout. Je suis vraiment chaud bouillant. Donc voilà la petite réaction à chaud. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que ça vous aura un petit peu aussi inspiré. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez me revoir sur scène un jour. Bye les amis, à plus.